Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pas chez moi comme d'habitude, bah, comme j'avais dans la dernière vidéo, j'étais pas chez moi. Voilà, je suis pas chez moi, donc le son, la caméra, c'était un petit peu différent. Mais je vois que l'action hero des années 80 se termine dans 4 minutes. Et j'ai toujours pas testé le jeu d'armes de Rambo. Et je me suis dit, si jamais il te le retire, je serais dégoûté de pas avoir testé. Donc on va aller tester le jeu d'armes de Rambo, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, le temps que ça se lance, j'ai un petit peu le temps, donc faut que je meuble. Ouais, donc tout ça, il fait beau, ouais, quel temps il fait chez toi, qu'est-ce que tu fais là, t'es pas chez toi, t'as déménagé, c'est un nouveau setup, il fait beau, il y a du soleil. Donc pour expliquer un petit peu, je suis actuellement au Texas et il fait le même climat que là où j'habite, peut-être un petit peu plus humide, voilà, il fait beau, quoique il a plu cette nuit, tu t'en fous, mais on parle de la pluie du beau temps, mon petit pote, on est là pour discuter. Mais c'est vrai que des fois on parle pas vraiment de ce genre de choses en vidéo, tu vois, on va parler du sujet de la vidéo, on va parler de ci, ça, mais je pense que ça intéresse pas mal de gens, pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude par rapport au gaming, par rapport aux vidéos, par rapport à Warzone. Bon, généralement on parle de ça en stream, tu vois, les gens, ils ont des questions par rapport à ça, ils te les posent en stream, mais c'est vrai qu'en vidéo, on le fait pas souvent. Waouh, 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 gars. Hé. Mais attends, mais je viens d'arriver là. Alors là, j'ai le petit pistolet. Et du coup, j'ai eu un kill. Bah écoute, mon petit pote, fallait pas me chercher. Hein. Ah, tu m'as trouvé, mon pote. Alors là, il y a le gars qui se barre, ouais, comme d'habitude. Et il est mort, tu vas voir. Avec la chance que j'ai, il va mourir. Allez, mais casse-toi. Alors là, il y a lui. Mais. Non mais, c'est ce que j'ai une chance moi sur le jeu d'armes, c'est qu'à chaque fois que je vais voir un gars, il meurt. Voilà, lui il est mouru, voilà, lui il est venu me voir, il est mort. C'est qui? Eh mais ils savent que je suis là les gars ou pas? Wouah! What? C'est quoi ça déjà? Ah oui c'est genre un... Attends, on reprend un peu de vie. Oh bah voilà, on s'éclate. Bah oui on s'éclate. On les éclate surtout eux. Attends, lui il est au snipe, on va en profiter. Ok, bon pour l'instant on fait une petite série pas. Oh, c'est quoi cette musique là? Il y a la musique genre t'as la sulfate? C'est trop bon. Mais c'est trop bon ça. Non, en fait il y a la musique quand les gars ils sont à la fin. C'est là que je regrette de pas savoir jouer à la guitare parce que je sais même pas faire semblant, tu vois. Mais en tout cas, hé hey, attends, je suis arrivé en cours de jeu, les gars, ils étaient quasiment à la fin. Ah, il faut s'en refaire une, Attends, l'event il se termine dans une minute, c'est peut-être potentiellement le dernier jeu d'armes de Rambo qu'on y est. Alors je sais pas vraiment c'est quoi la différence avec le jeu d'armes classique, mis à part la petite musique rock qui t'enjaille quand même pas mal. Les gars ils se sont mis bien, j'espère qu'elle est pas copyright, sinon bon tu sais que sur YouTube les copyrights, ils t'enchaînent un petit peu. Mais du coup, sur raid en plus, voilà le petit classique jeu d'armes sur raid, ça fait toujours plaisir. Et on espère que ça soit bon. Ok, donc là on commence avec le petit pistolet Hollywood Hills, United States of America. America. Allez, jeu d'armes, let's go, c'est parti. Oui, Jules, je t'entends pas, j'ai la musique à fond dans les oreilles, jeu d'armes de Rambo. J'espère que tout va bien en tout cas. Oui, pose ce pistolet. Oui, attends. Ah! Oui, Jules. Oui, attends, parce que là, je fais le jeu d'armes de Rambo, donc... Ah, c'est pour ma main. Ok, ok, super. Attends, y'a un gars, y'a deux... Merci! Oups là! Merci au client fidèle! Merci! Oh! Ok, il y a des balles explosives et tout! Ah! Mais je crie pas, je m'entends pas! Appelez la police! Je vais me faire frapper! Tu dois réveiller mon bébé! Mais non! Mais, je viens de te dire! Mais! Mais non! Attends, je crois qu'il y a un gars qui arrive derrière là. Non? Putain, mais. Mais non, mais je prends du retard! Je suis pas en avance! Mais putain! Mais non, mais je suis potentiellement le dernier gendarme de robot qu'il y a! Et les gars, ils sont là! Oh, attends, il a la sulfate. Oh, mais... Pourquoi? Voilà! Oh, j'ai galéré! Mauvaise nouvelle pour toi.
J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je suis au courant de la mauvaise nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Attends, attends, il faut qu'on se rattrape. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ça peut le faire. C'est pas grave, vraiment. Forcément. Comme d'habitude, hein, toujours celui que je traque, c'est lui qui meurt. Pff, c'est de l'arnaque. Mais il tease arnaque. Mais. Pff, oh là là, mais non, mais si c'est ça le dernier gendarme de Rambo que je me tape, mec, je porte plainte. Je porte plainte. Je sais pas contre qui, mais. Combien. Mais je ferai un effort. Voilà, ça, ça dégage. Il picaille. Hein? Quoi? Il picaille. Ah. Y'a un gars? J'entends des grosses pattes. Oh dommage, ça aurait été presque putain. J'attendais. T'sais, les mecs, déjà les chaussures qu'ils ont. En plus, je suis pieds nus moi, je sais pas pourquoi je fais du bruit comme ça. J'aurais pas à faire autant de pieds nus. Oh là là, mais non. Eh attends, 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 je peux pas faire un jeu d'armes et ne pas gagner. Et c'est pas possible. Alors attends. Pardon? Je te gêne pas? Le gars, il vole mes kills. Viens là, 3, 2, 2 et demi. Oh putain, foiré. Et tu sais que j'entends les bruits de pas partout, ça fait comme ça, mais je sais pas où ils sont exactement. C'est comme d'habitude. Je pense qu'il... Voilà, merci beaucoup, le hippie-caillé, pauvre con. Attends, attends, attends. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, c'est ça qu'on venait chercher, mon petit pote. Y'a un gars qui arrive. Y'a un gars qui repart. M60, Rambo. The real one. Alors, attends. Pardon? T'as cru que t'allais faire un petit truc, mon petit poulet? Là, j'ai la musique rock dans les oreilles. Plaît-il? 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 Non, mais... Attends, mais RPG dans les dents, le gars? Plaît-il? Mais... Pardon? On me donne à combien? Eh ben, c'est pas trop cool. Oh là, c'est le dernier, c'est le dernier. Non! Non mais tout ça, c'est de la faute. A pas de chance. A pas de chance. J'ai cru que j'ai vu ma femme passer, elle va me tuer. C'est pas moi. C'est pas moi qui criais, c'est le petit. Ok, est-ce que c'était le dernier ou pas? Les paramètres ont été modifiés. Si vous mettez à jour le jeu, vous reviendrez au menu principal et peut-être qu'on n'aura plus jamais le jeu d'armes de Rambo. Peut-être que c'était effectivement le dernier, mais que j'ai bien fait d'en profiter si c'était le dernier. J'ai bien fait d'en profiter. Attention, les amis. Al suspenso que todos esperan. Aquí, el momento ha llegado. Vamos a apretar el botón y ver qué pasó. Multijugador. Tenemos un juego de armas. Mais on a plus Ah non, attends, attends, Mosh Pit Action. Mosh Pit, point stratégique, jeu d'armes de Rambo. Damn, il est dur, là. Par contre, on a celui-là. Jeu d'armes, plan et munitions. What? It is a new jeu d'armes. Oui, I speak English. Bah oui, I'm in America. It is a new jeu d'armes. Donc, bah, tu sais quoi, on va s'en faire une petite dernière en jeu d'armes avec le nouveau mode de jeu qui vient d'arriver. Donc, bah, du coup, on en profite. Nouveau jeu d'armes. J'ai pas vu ce que c'était. C'était plan et munitions. Bah, bah, il commence à faire un peu chaud là. T'as pas un petit peu chaud là? Tu peux allumer la clim, s'il te plaît? Oh! Miami Strike! Jeu d'armes. Alors, du coup, là, c'est plan d'armes et je sais pas quoi. Donc, peut-être qu'on joue le jeu d'armes, genre avec les variantes d'armes qu'on a dans la boutique. On avait à peu près ce modèle là sur MW. Et c'était intéressant parce que justement. Wouah, yes! Justement, c'est ça! Voilà, avec les variantes de la boutique. En fait, c'est intéressant.
intéressant là-dessus parce que bah pour toutes les personnes qui n'achètent pas forcément des choses dans la boutique mais qui voient les petites variantes, bah ça permet d'avoir un petit gameplay sommaire avec. Voilà, un sommaire. Attends, mais c'est. Ah d'accord, oui, non, c'est une autre Akimbo. Les gars, ils disent non, une c'est pas assez. Deux c'est bien de. Par contre, je vois les. Attends, on est d'accord que lui il est pas du tout apparu. Ah mais oui, c'était un fusil à pompe. Je sais pas. Ah mais. Mais what, c'est la première fois que je le vois celui-là. Je crois que c'est la première fois. Ah, attends, bah. Tu fais attention à ton langage, je crois qu'il a dit un gros mot. Hein. Ah bah tout le monde dit des gros mots alors. Moi qui suis anti-gros mots, alors là. Hein, mais ouais, elles sont sympas. Non, mais c'est bien de pouvoir jouer avec des petites variantes comme ça, ça donne un peu une idée. Bon, en règle générale, je trouve que les variantes d'armes qu'on a dans la boutique sur les armes de Cold War, elles sont quand même moins cool que celles qu'on avait sur MW à l'époque. Hein. Je trouve. Mais il y en a quand même des sympas. Mais je préférais celles qu'on avait sur MW. Du coup, j'ai l'impression que il y a des points rouges qui apparaissent, mais pas genre tout le temps. Tu vois ? Genre, il y a des fois oui, il y a des fois pas oui. Oh, ça veut dire non quoi. Tu vois, j'entends un mec marcher à droite, mais on voit pas de point rouge. Mais oui, non, mais attends, mais hey, tu peux pas avoir fantôme en jeu d'armes, tu te fous de moi quoi. Mais putain, mais non, mais c'est une blague. C'est une plaisanterie. Et si c'est une plaisanterie, bah elle est pas drôle. Bah pas du tout. On a pas le même sens de l'humour. Non, mais quoi? Il triche. C'est le cas. Dès que tu te fais buter, il triche, c'est un cheater. Il a Wallach, M-Bot et une gueule de con, donc tu sais, les trois combinés, ça va pas l'aider dans la vie, hein. Non, par contre, je fais un peu de la merde, on en parle pas, mais je fais un peu de la merde, là. On espère qu'il y a un gars qui a... Voilà. Oh là là. Je crois que le bon spot, c'est de rester là. Ah, je l'avais vu venir. Je le sentais. Bon, après, je rappelle. Je l'ai pas dit, donc je suis sur mon PC portable. Donc, ouais, je joue sur un tout petit écran. D'habitude, je joue sur un 27 pouces. Là, je suis sur un 17 pouces. Donc, on va dire que le downgrade, il fait mal aux yeux, quoi. Ouais, j'ai un peu de mal. Ouais, je trouve des excuses parce que. Je me dis que comme je suis en train de faire de la merde, faut bien que je me mette à trouver des excuses parce que sinon, on pourra pas trop non plus jeter des éloges, donc autant y aller sur les excuses là. What? Je l'ai même pas vu le gars! J'ai juste dit peut-être qu'il y a un gars. Eh, y'avait un gars, mon petit pote. Tu vois, ils sont moches, c'est l'arrière. Ça, c'est des variantes qui te vendent dans la boutique, genre qui va acheter ça? Alors, on dirait l'arme de base quoi. Y'a pas un gars qui arrive là ou pas? Peut-être. I don't know. Maybe. Hello? Putain, mais les gars! Ah là, c'est une. Oui, une QBZ. Ah, elle est stylée, celle-là. Alors, j'ai vu un gars passer sur le côté, parce que j'ai l'impression que l'ordinateur a calculé que j'étais toujours à droite. Il a dit, oula, hop, hop, mais, oh, nique-toi. Oh, l'enfoiré. Oh, l'encul. Oh, le bat. Ah, le sale. Oh, non, je voulais pas dire de gros mots, mais là, bah, non, mais là, il a tout fait pour, quoi. Le gars, je veux dire, il a fait aucun effort, aussi. Le mec était derrière, dans l'angle, comme ça. Ah, la crapule. Oh, la crapule. Ah mais là, lui, il est premier, lui, bah ouais, non mais... Alors, on fait moins le Marielle, hein. Nulose, va. Le mec, il se la pète. Oh, shit. J'attendais vraiment lui, en fait. Hein. Mais il est pas mauvais, ce con. Bon, malheureusement, on n'aura pas vu toutes les variantes d'armes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans le top 3, quand même. Eh. Je suis dans le top 3, j'ai été mauvais, hein. Alors j'ai été quand même mauvais. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure, non? Ok, moi je ne dirai rien, je prends pas le risque. Hein. Je prends pas le risque de dire quelque chose, c'est trop risqué. Hein. Ah non, bah, par les temps qui courent, tu ne dis rien. Comme ça. Bon, et on va essayer d'en faire une petite dernière en jeu d'armes parce que bon, je voudrais quand même vraiment avoir une victoire. Faire un jeu d'armes et pas avoir de victoire, c'est un peu de la merde. Je veux dire, bon, voilà, je vais pas faire partie de ce type de personnes qui font du jeu d'armes sans gagner. Ça me ressemble pas. Non, je suis désolé les gars là-dessus. J'ai un point d'honneur quand même. Bon, et on a fait Raid. On a fait Express. Donc déjà, on a deux maps de Black Ops 2.
Celle qu'on a fait avant, c'est laquelle? Je me souviens plus, le mec, il a une mémoire de poisson. Ah oui, c'était Miami Strike. Le mec, il a une mémoire de poisson rouge. Ah, ça fait peur. Non, non, il faut la gagner, celle-là. Hein. On plaisante pas, les gars, on rigole pas. On n'est pas là pour rigoler. Hein, on est d'accord. Toi, tu vas venir mourir déjà? Ah là, il a fait exprès. Non, mais t'es vraiment mauvais, t'es nul. J'espère que tu perds. J'espère que tu perds. Vraiment, là, sur le coup. Et tu vois, il y a personne à côté de moi. Ah, putain. Fichier. Ah, il y a un gars là. Et voilà, ça dégage. Voilà. Don't play with my emotion. With my... Ouais, mais ta gueule. j'ai un peu... Oui, j'ai... Non. Bah non, pas vraiment. Mais c'est pas grave. Attends, y'a un gars là. Come on. Mais... Putain! Ça m'énerve! Ça devrait jamais arriver des choses comme ça! Ça devrait pas se passer! Est-ce qu'il est encore là ou pas? Attends, mais tu vois rien! Ah si, 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 c'est bon! Putain, les bruitages quoi! Tu sais, quand tu descends, t'sais, vraiment tu fais des bruits comme ça! Surtout quand t'es supposé être un super guerrier entraîné, quoi, tu vois. Normalement, c'est comme. Oh, oh tranquille, ah, je suis descendu. Hop là. Waouh, le connard était gratos, hein. Culé, va. Ouais, ouais. Oh, oh, tu es tiré cuticule. En plus, c'est des armes. Rafale, là. KSP. KSP, qu'est-ce que c'est? Putain, mais par contre, t'as vu quand tu passes un obstacle, fais chier quoi, c'est horrible. Et par contre, non mais attends, mais c'est pas grave, y a un bouton shoot et je l'ai cliqué sur off sans faire exprès quoi. C'est pas possible. Ah voilà. Active le M-Bot. Oh, la variante de la Krieg. Efface deux méchants de plus sur la liste. Ah ouais, bah non mais bon, j'étais un peu trop sur la variante. Mais du coup, tu vois, le mec par exemple qui a jamais acheté cette variante là, bah c'est cool. Wow, calm down. Bon, je sais pas, je me demande pas, j'en ai aucune idée moi, je comme toi, moi je découvre. Hein. Voilà, là ça va mieux. Il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas. Et franchement, quand ça va pas, bah c'est pas, ça va pas quoi. Y'a un gars au-dessus, en dessous. Il est où? Bah, je... Ça dit qu'il est là, mais on le voit pas. Ah ouais, genre, il est en haut et tout. Mais je sais pas, je vois personne! Mais si, y'a des points rouges partout, mec, partout y'a des points rouges! T'entends des bruits, mais t'entends, tu sais pas. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. C'est bon. Viens là toi. Espèce de salopard. Ordure. Flibustier. Ah, c'est un rafale cette merde. C'est quoi? La M16. Wow. Ah ok. Bon bah écoute. Non mais excuse-moi. Je m'excuse. Je t'ai opportuné pendant la sieste. Apparemment sympa de ma part. Oh là là, tu sens que la mitrailleuse, mon pote, elle est un petit peu lourdasse, hein. Oh, mais arrête! Mais merde, mais tu te fous de... Ah, quand même! Enfin, y a un moment, je veux dire, faut arrêter de me prendre pour un con, quoi. Oula. Enfoiré. Ah, ça va, c'est pas trop long pour viser. Non, mais les gars, j'ai le temps d'aller faire un café, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ah, mais ignoble! Ah, non, mais ignoble! Et ils ont fait exprès pour faire chier le monde. Oh bah, ils auraient voulu le faire exprès, ils l'auraient très bien fait. Victoire ? Ah, c'était la dernière arme ! Ils ont changé les armes qu'on a. La victoire ! Non mais je t'ai dit, on peut pas non plus aller en jeu d'armes sans avoir une victoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah là, it is not possible. It is not.
Absolument. Non, bah non, bah non. quand même, non, mais bon. Hé, oh, hé, hé. Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va, quoi, je veux dire. Hein, partant de là, on a tout dit. Bref, voilà, bah, c'est terminé la petite session en jeu d'armes. Ça fait un moment que j'avais pas fait du jeu d'armes, mais je voulais vraiment faire le jeu d'armes de Rambo avant qu'il n'y soit plus. Il y a encore, mais bon, c'est dans une playlist, machin, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas testé, que vous voulez tester. J'ai pas trop vu, on va dire, la différence qu'il y aurait avec un jeu d'armes classique. J'ai l'impression quand même qu'il y a des moments, des effets pyrotechniques, des explosions. Les armes sont différentes que le jeu d'armes, en tout cas celui-ci, et celui-ci qu'on avait, enfin celui qu'on avait originalement. Donc c'est bien, parce que c'est vrai qu'avec les Call of Duty Treyarch, le jeu d'armes, généralement, c'est tout le temps les mêmes armes. Jamais de changement. C'est sur les jeux d'Infinity War, le jeu d'armes, les armes elles changent suivant les maps, etc. Donc c'est bien qu'enfin on ait des variations et des variantes dans le jeu d'armes et qu'on n'ait pas les mêmes armes systématiquement. Parce que moi qui aime bien le jeu d'armes, bah c'est vrai quand t'enchaînes 3-4 parties, que c'est à chaque fois les mêmes armes, c'est un petit peu fatigant. Là on a des variantes, on a des différences et c'est bien, et c'est bien. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment ma compagnie, tel est le but, bien évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à bah, tout ci, tout ça en dessous de la vidéo par commentaire. T'as kiffé, tu fais plaisir. Le petit pouce bleu, le like, merci beaucoup. À vous tous, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous donne quelque chose. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.